Bonjour YouTube, vous êtes là, on démarre tout de suite, on vient de démarrer le live, mais je veux pouvoir rendre ça disponible pour ceux qui n'auraient pas eu le temps d'être là. On est dans le grand concours pour la quête ultime d'un nouveau compte. Ça a démarré depuis une petite demi-heure et ça s'écharpe déjà sur les différents Discord. C'est excellent à vivre, je me marre, mais vous imaginez pas, c'est excellent à suivre. J'espère que c'est pas trop frustrant à vivre. J'espère que vous vous amusez. Moi je m'amuse bien. Je suis un petit peu sur tous les écrans ce qu'il est en train de se passer. C'est très très marrant. Qu'est-ce qu'il dit le gym Excellent. Alors attendez, voyons voir. Parce qu'il faut que je suive moi en même temps tout ce qui se passe. Que ça continue à avancer. Ça continue à avancer. On a Orphée pour l'instant qui est clairement en train de masteriser la compétition. Il a bien de l'avance. Il trouve vite, il est efficace. Bonjour à tous ceux qui arrivent, désolé, j'ai pas regardé. FFC, salut Benou, salut Micmic, salut Mitrone, salut Matabayo, Poctabas. Il y a du monde qui est là. Oui, il y a beaucoup de monde du stade de Carine. Je vais passer Yarlène, coucou Yarlène, coucou à toi. On en profite, demain stream pour la grande arène. Je joue une finale et je joue le top 100 pour demain. Je sais que vous en avez rien à foutre pour le moment. Et puis mercredi, on rattrape le Tales of Lego qu'on n'a pas fait la semaine dernière. Ça devrait bien se passer. En tout cas, il y a du monde qui participe. Alors pour ceux éventuellement qui seraient en galère, qui se sentent un petit peu exclus du jeu, qui sont un petit peu, voilà, mais que se passe-t-il? Comment on avance, etc. Je ne saurais que trop vous inviter à vous demander où est-ce qu'on pourrait faire ce jeu. Ce n'est clairement pas sur mon Discord. Ne faites pas les commandes sur le Discord Pépito. Ça ne sera pas là, dans aucun des salons, mais peut-être à un autre endroit, voilà, et qui est a priori toujours Discord. C'est ce que je dis dans la vidéo. Vous allez être sur Discord pour faire tout ça. Donc voilà, alors là c'est très rigolo. Donc attendez, laissez-moi voir où on en est. On en est, alors étape 0, j'ai mis 1, 2, 3. Ouais, donc c'est Orphée, et on est, Orphée pour l'instant est à la relique 5. Sinon je pourrais pas rester, pas de soucis, ça tente les commandes. Non, c'est pas ici Nemo, c'est pas ici qu'il y a les commandes. Donc on a qui pour l'instant au niveau relique 5? On a Orphée, on a Orphée et Falmer uniquement. Il y a Local qui m'envoie des MP avec des commandes. Mais non, ce n'est pas non plus, ce ne sont pas non plus des MP. Ah, ça me fait beaucoup rigoler. Alors attendez. Falmer, ça tente des trucs là. Relique 5, ce n'est pas tout à fait ça. Non, si vous passez, si vous trouvez l'endroit et que vous passez le niveau 1, qui je pensais n'allait vraiment pas être dur, les gens ont longtemps galéré. Après, normalement, c'est assez tout droit, il y a des choses assez faciles. C'est pas forcément linéaire, vous allez voir. Au niveau de la difficulté, il y a des hauts, des bas, il y a des niveaux assez complexes, des niveaux qui sont plutôt longs à faire, vous allez voir. Salut Mito, salut Dobby. Salut Payoche, salut Pierrom. Bonjour Chacal exceptionnel. Salut Tartif. Et pas trop Kinimito va faire le raid. Vous avez pas trouvé l'endroit, vous avez pas trouvé. C'est sur un Discord. C'est sur un Discord. Pas sur mon Discord, sur un Discord. Je pense que je peux pas faire mieux comme un disque. C'est sur un Discord. J'ai pas les Discord du jeu, c'est mort. Il n'y a pas besoin de Discord du jeu. C'est a priori qu'un endroit où il n'y avait personne avant, de toute façon. Tout le monde est parti à égalité. Ça avance. Qu'est-ce qui nous tape? On a du monde qui arrive. Alors, si je vous fais un petit point, combien de personnes ont trouvé le serveur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dizaines de personnes, je dirais. Qui a trouvé le serveur à la louche. Il y a Nuki qui se bagarre en salon numéro 2, je vois. Ça tente des trucs. Allez, j'ai l'impression que niveau relique 5, ça va être le passage un petit peu compliqué. Là, encore une fois, il va falloir faire preuve d'observation. Ah, Mitrone qui nous dit « Ah mais oui, je suis con. » Est-ce que je vais voir arriver Mitrone? Ah, Junk. Il y a des gens... Non. Eh, bienvenue à toi, Mitrone. Bienvenue à toi.
En tout cas, alors à mon avis, vous êtes en train de vous bagarrer. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Je vais essayer de suivre un petit peu. J'avais pour but d'essayer de faire un petit peu d'autres choses pendant ce temps-là. Je pense que ça va être compliqué. Comment on participe? Écoute, Payoche, est-ce que tu as vu la vidéo? Je peux remettre un lien vers la vidéo, mais j'ai posté une vidéo un petit peu plus tôt. Alors, c'est important d'écouter de la vidéo parce qu'il y a quand même plutôt pas des indices, mais des indications sur comment se passe le concours, ce qu'il faut savoir faire, parce que voilà, ça utilise certaines fonctionnalités, donc il faut juste être un petit peu au courant. Mais à partir du moment où il y a ça, tu as une info, à la fin de la vidéo qui devrait te permettre de trouver l'endroit où on peut commencer à jouer. En termes de chacal, je dirais légendaire même. C'est pas fini. Pas de soucis, Payoche, pas de soucis. J'ai pris beaucoup d'amusement à le préparer. C'est encore mieux à vivre en direct avec vous. C'est très très plaisant. C'est très très plaisant. Il y a Nuki, il est en PLS. Il est en PLS sur le niveau 2. Courage, mon Nuki, lâche pas. Tu vas y arriver. On a du monde qui arrive. On a du monde qui est arrivé sur le serveur. Maximilien, Alari, Tartif est arrivé également, Darmaz. Il y a du monde qui est arrivé. Une fois que vous êtes arrivé, l'indice, vous pouvez, à partir du moment où vous avez passé un niveau, l'indice que vous avez avant, a priori, vous pouvez plus ou moins le mettre à la poubelle. Enfin, quoique, il y a des fois, il faut le garder un peu en tête, mais c'est pas ça qui va vous resservir derrière. Salut Fripouillou, bienvenue. Ça fait rire que toi. J'ai l'impression. Ah, je suis content. Je suis content parce que j'ai mis des. Donc, des fois, vous faites des commandes et si vous n'êtes pas loin de la réponse, ça vous répond quelque chose. Et c'est la première fois que quelqu'un s'est trompé de pas grand chose et ça met une petite. Un petit message quand vous trompez. Voilà. Alors, il n'y en a pas énormément. J'ai pas couvert tous les cas. Mais il y en a deux, trois. Ça vous répond un petit noob amical des fois. Et des fois, ça vous donne un petit peu des indices sur pourquoi vous vous êtes trompé. Nemobion, je suis trop con. Mais non, faut pas dire ça. C'est en rapport avec quoi les niveaux de plein de choses, WKTM, plein de choses. Vous aurez un peu de tout. Vous allez avoir de la connaissance du jeu. Alors, rien qui soit complètement introuvable. Hein. Vous pouvez aller chercher une info. Il y a des moments un petit peu où c'est plutôt du skill. Donc là, n'hésitez pas à poser la question, à vous faire aider éventuellement si vous galérez un petit peu. Mais voilà, vous allez avoir... Il y a quelqu'un qui a lancé une partie de des mineurs, Byakufungan. Mais voilà. Sinon, c'est des infos que vous pouvez aller trouver largement. Est-ce que Nuki... Moi, ça m'intéresse à voir si Nuki s'est décoincé toujours pas. Toujours pas. Ok, très bien. Il y en a qui tentent des coups, mais c'est... Il faut... Ma réponse a été supprimée, mais il ne s'est rien passé, nous dit Zida. Vous avez... Ah oui, alors que si elle... Ah, attends, Zida. Alors, remets ce que tu as tapé. Si pas si tu regardes, Zida, si t'es sur le... Si t'es là, mais retape ta commande. C'est bizarre qu'il ne se soit rien passé. Retape voir, je vais lui demander pour suivre ça. Et les chips, c'est important. Comment ça? C'est sur un Discord, mais pas le tien. Exactement, c'est sur un Discord, mais pas le mien. Alors, je vais surveiller ce que tape Zidar. Et non. Il t'a répondu, noob. T'es pas loin. Ok, on sent le filou se réveiller. Anto, du coup, faut aller voir une vidéo pour comprendre ce qui se passe tout à fait. Elle dure 2 minutes. Elle dure 2 minutes pour vous lancer dans l'aventure. Alors, et niveau Relic 5, c'est un petit peu... On a des gens qui commencent un petit peu à... Sur le Relic 5, on a Falmer, Orphée et Cryptix qui vient d'arriver. Donc ça va commencer à voir. Si on n'est pas sur le Discord, on peut pas le faire. Ah non, maintenant, faut être sur le Discord. Les commandes que j'ai créées ne sont valables que sur ce Discord et nulle part ailleurs. Vas-y, Byakungan, vas-y, je suis en galère. Ah, sur le niveau 1, sur le niveau Relic 1, il faut vraiment... tout regarder pour passer. Voilà, je vous écris ça. Je vous lâche des petits indices quand même. L'idée, c'est que vous avanciez. Qu'est-ce qu'on a? Ça devient compliqué. Sortie. Et non.
Et non, à un niveau Relic 3, ça ramponne aussi un petit peu. Est-ce que Zidar, est-ce qu'il est passé? Zidar est passé. Le Torticolis, j'en peux plus, Nidfalmer pour le niveau 5. Mais qu'est-ce que le niveau 5? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quel Discord du coup? Ben nous, c'est le premier indice. Va regarder la vidéo et tu devrais t'en sortir. Quelqu'un comme toi qui est admin de serveur Discord, tu devrais t'en sortir largement. Où on peut rejoindre le Discord? C'est l'indice, c'est le premier indice. À la fin de la vidéo, vous avez un indice. Mais c'est quel Discord? Alors, attendez, qu'est-ce qu'on dit? Va regarder. Il y a peut-être des messages un petit peu là-bas. Il y a des gens qui... qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est ici. Ça s'est calmé un petit peu dans l'onglet bot. Il y a des gens qui ont été essayés dans tous les salons, à mon avis. Avec où supprimer leur message. Donc, ça ne se fait pas sur mon serveur. Ça se fait sur un autre serveur. Ok, Relic 1. Ah non, non, ça tente des choses, mais ce n'est pas ça. Ah là 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 là, ça chauffe par ici. 13. Falmer, comment t'arrives à 13? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut arriver à 13? Quest, très bien. Alors, il y a du monde qui est arrivé là sur le nouveau serveur. La menace Psyron, Anto est arrivé. Chris, salut à toi. Jarok est arrivé. Mokoko est arrivé. Très bien. Ah, Orphée qui commence à pointer un petit peu le bout de son nez. Là, ça commence à s'approcher, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Laissez-moi trouver la bonne réponse. Je me souviens plus quelle est la bonne réponse de cet endroit-là. J'ai ça quelque part. Il faut que j'aille me copier-coller les réponses à un endroit. Voilà. Voilà, comme ça, je les ai toujours sous les yeux. Attendez, je vais pas mettre ça ici parce que c'est risqué. Si jamais à un moment je passe sur mon écran de jeu, vous allez tout voir. Hop là, voilà qui est mieux. Ah non, ça approche pas du tout. En fait, tu es loin. Il faut booster tout ça. On a toujours du monde qui arrive un petit peu. Pampon est arrivé. Payoche, j'ai rien compris. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va commencer à distiller des indices un petit peu plus gros. Mais vous avez regardé la vidéo, vous êtes allé jusqu'au bout. Et vous avez tous vu quelque chose d'écrit. Bon. Et ça doit se passer sur un Discord. Bon. Comment rejoint-on un serveur Discord? Je ne peux en dire plus. Alors attends, moi ce qui m'intrigue c'est est-ce que Mitron est passé? Oui c'est bon, il est passé parce que je le voyais avoir toute petite erreur. Non, comment vous arrivez à ce résultat-là? Comment arrivez-vous à ça? Ça m'intrigue niveau Relic 5 là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés dans le Relic 5? Il y a Trémo qui est arrivé aussi dans le Relic 5, on a un nouveau venu. Il y a 10 niveaux de reliques évidemment puisque le Relic 10 arrive dans le jour. En fait, c'est ça la surprise à la fin. Il n'y a pas de compte à gagner, c'est juste qu'il y a un niveau 10 qui est sorti et c'est Capital XM qui me permet de faire l'annonce. Enfin, je peux, mais j'ai pas le droit. Pierrom, tu n'as pas le droit. Alors attendez, comment c'est possible ça? On peut collaborer entre nous ou pas? Alors, en MP, enfin voilà, n'hésitez pas à vous échanger un peu des infos. Ou pas en MP du banque, vous ne donnez pas les réponses en clair à tout le monde pour empêcher de jouer. Oui, vous pouvez brainstormer sans aucun souci, messieurs. Ah, en fait... Alors, j'ai essayé un URL YouTube, bit.ly, imgur, avec le code, ça marche pas. Ah oui, parce qu'il faut faire, il faut rejoindre un serveur Discord. C'est ça le truc, c'est trop élaboré pour Pitou. Attention, ne vous méprenez pas. Tu vois aucune devinette. Salut Rob Zombie, Luffy, Saitama, tu vois aucune devinette. Tiens, il y a un indice à la fin de la vidéo. Dans la vidéo, je vous dis que ça se passe sur Discord et à la fin de la vidéo, il y a un indice. Jamais de virgule dans les commandes aussi, je vous dis, si c'est des chiffres ou des mots,
Il n'y a jamais de virgule ou même de ponctuation, à mon avis. Je vais aller vérifier dans mes commodes, mais normalement, on ne met pas de ponctuation de façon dans les commandes. Je vais quand même aller vérifier ça, mais je ne me vois pas en mettre. Je pense même que c'est impossible, mais je suis quelqu'un qui vérifie. Il n'y a aucune ponctuation, backslash, underscore, tout ça. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être tranquille. J'ai dit aucune devinette une fois qu'on est sur le Discord. Ah ben, une fois qu'on est sur le Discord, il faut observer. Il y a des indices qui sont peut-être disséminés. Vous ne voyez pas grand-chose pourtant, mais il y a des indices. Et pensez aussi à checker sur certains serveurs, il y a des messages épinglés. Donc allez les voir, parce qu'après, il risque d'y avoir un petit peu de food éventuellement. Donc voilà, allez bien checker les messages qui sont épinglés. Voilà. Je vais... il y a du monde qui arrive, ça y est. On a du monde en masse qui arrive sur le serveur. Là, je vois depuis un moment... ratissage, non mais les commandes les commandes tentées. Alors on va faire un petit point, voyons voir dans le serveur 3. J'aurais dû inviter le bot qui fait les comptes pour savoir qui avait quel rôle, pour voir où en étaient les gens. On a 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a une bonne quinzaine de personnes au niveau relique 3. Niveau relique 5, on est toujours... Oh là là, on est toujours... non, il y a un peu plus de monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est sur une petite dizaine uniquement. Ça galère un petit peu au niveau 5, là. Ah, il y a un petit passage un peu compliqué. On peut discuter vraiment de ce qu'on a essayé déjà ou pas. Spoil pas trop pour les nouveaux. Mais oui, échanger. Je vais pas vous laisser tout seul dans votre merde. Je trouve pas d'indice en R3. Qu'est-ce que ça dit en R3? Regarde le message épinglé. Alors attendez, je vais faire une... je vais créer un nouveau salon. Je vais créer un nouveau salon pour le dire, ça. Je vais faire un truc annonce. On va essayer d'éviter les fautes d'orthographe quand même. Enfin, les fautes de frappe. Dispo pour tout le monde. Voilà, je vais juste permission everyone. Vous allez voir le salon. Vous ne pouvez pas envoyer de message. Et vous pouvez voir les anciens messages. Voilà, très bien. Hop, voilà. Et puis, je vais vous mettre... Non, voilà. Alors, ça commence à écrire dedans. At everyone, pensez à regarder les messages épinglés. Il n'y en a pas toujours. Mais... parfois, oui. Voilà. Oui, on en voit. Voilà, c'est important quand même d'avoir ça en tête. Est-ce qu'on a quelqu'un? Désolé, à moins que vous imaginez à voyager dans le temps, ce contenu n'est pas disponible. Ça a essayé des chaînes YouTube. Ok, je vous trouve avec des chiffres excessifs. Ah non, mais d'accord, ça c'est les nouveaux arrivants qui essaient de rentrer le chiffre qu'ils ont eu au coup d'avant. C'est vraiment rigolo. Alors qu'est-ce que ça dit? C'est quoi qu'il faut faire? Faut rejoindre un serveur Discord et après il faut laisser guider et puis se creuser un petit peu les méninges. Salut Xam, bienvenue. Un truc de génie. Je sais pas. Il y a un peu de logique, un peu de... Ah, ça se mérite. Ça se mérite. Un joli compte. SVP, mais quel chiffre, quel serveur? Mais et si tu as vu la vidéo YouTube, à la fin, tu as un indice. Si tu accordes les mots Discord et indice, ça devrait y aller. Alors. Technique commerciale de bas étage. Alors, qui va être le premier à masteriser le niveau 5? Pas d'espace. Alors, je vais mettre dans les annonces. Jamais d'espace ni de ponctuation dans les commandes. Ça, c'est important à avoir en tête. Alors, Falmer, tu me dis 46 910. Elle est où le... Non, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop, Falmer. C'est un petit peu trop. En fait, je vais passer mon temps à douter
de mes calculs, de mes trucs, de... C'est horrible. C'est horrible. Alors... Je vais aller vérifier quand même. J'espère que... qu'une certaine personne ne m'a pas fait un... Oh, ça y est. Ah ben voilà. Ah ben, je me suis trompé. Il y a une faute de frappe. Alors attends, bouge pas, Falmer. Bouge pas. Ah mais il fallait que ça arrive, hein. La calculette a fait des siennes. La calculette a fait des siennes. Alors attendez, bougez pas. Ok, je dois corriger une petite erreur, manifestement. Il y a un truc qui a bougé. Il y a un truc qui a bougé. Ok, alors. Je vais changer. Donc c'est du coup... ça, on va partir de... Eh oui, je me suis trompé de chiffre. J'ai pris la santé, pas la prot. Ok. Alors, attendez. Tac, il faut que je change le... ici. Je vais le modifier. Attendez, j'y vois rien. Là, mettez-moi ça en grand. Là, c'est quoi cet écran? Et donc, j'ai dit que c'était du... Ça, je vais pas le dire à l'oral, ce que j'ai failli faire tout à l'heure. Hop. Et j'enregistre. Et je vais dire si quelqu'un s'est trompé, je vais évidemment lui signifier. Mais personne n'avait... ok, c'est bon. Personne n'avait la bonne réponse. Donc ça, ça me rassure. Je n'ai floué personne. Il y avait une petite erreur, mais elle a été corrigée. Elle a été corrigée. Ok, tout va bien. J'avais pris la santé et pas la prot. Et comme les valeurs étaient proches, je me suis fait avoir. Anto, il essaie à chaque niveau, il essaie le hello there. L'indice, toujours dans la vidéo. Non, Pierrom, pour le Relic 1, l'indice, il est sur le serveur. Oh, merci pour le Prime Deltek. Désolé, je l'ai pas vu passer là. Je suis pris dans tout ça. Donc sur le serveur, il y a un indice. Il n'y a pas grand-chose quand vous arrivez sur le serveur pourtant. Mais il y a bien un indice qui est assez évident. Peut-être dira donc toujours satisfait bien ta dédicace. Ouais. Désolé. Désolé. Ok. Un indice R5. Alors. J'ai rien fait. Excellent, excellent. Ok, alors on en est où? Donc on me dit, est-ce que R5 quelqu'un est passé? Ah, vous êtes pas loin les gars, vous êtes pas loin. Alors, les gens qui sont sur le R5, si vous voulez, envoyez-moi le détail de votre calcul des fois que j'ai fait une boulette. Et puis je vous dirai. Je vous dirai s'il y a éventuellement quelque chose. Mais n'hésitez pas à me faire des MP, on est là, on communique, on échange, on s'adapte. Mais voilà. Alors. Ok, donc je vais vérifier. Merci, Falmer. Je vais voir ce que tu m'as envoyé. Alors pour ça, il faut que j'ouvre quand même un truc. Oui, tout à fait. Là, de loin, ça a l'air pas trop mal. De loin, ça a l'air bien. Alors, mais il y a forcément quelque chose, évidemment, qui différencie. En plus, j'ai refait le calcul à l'instant. J'avais fait deux fois l'erreur. C'était un peu gros. Alors, tu m'as dit... tac, tac. Ok. Ça, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah, ça, c'est pas bon. Ok. Ok. ok, il y a l'air d'avoir une erreur au niveau des modes, Falmer. Voilà. Oh là là, il y a Trémo, il fait quelque chose de vilain. Voilà, Trémo, attention. Attention à toi. Ça bip bip dans tous les sens, par contre, c'est assez infâme. Attendez, ça, je vais me le... copier-coller ailleurs parce que là il y a les bip-bip qui sont relous. Voilà.
Je vais te mettre un mode lent, Trémo, si tu continues. Trémo, en fait, il essaie les commandes en boucle. Indice R3, je comprends pas. Peyoche, tu es en R3. En R3, donc là, t'as bien regardé le message épinglé. Ça clique. Et on te dit que l'essentiel est la santé. Alors, salut Giclos. Alors, c'est quoi ces chiffres à la con? Je comprends pas le R5. Alors, le R5, vous avez un indice, si jamais, qui vous invite à faire quelque chose. Et normalement, si vous faites les choses bien, vous devriez voir quelque chose apparaître pas loin de là où je suis. C'est, vous êtes à un torticolis de savoir ce qu'il faut faire. Dans le serveur WKTM, voilà, y a des indices qui vont être disséminés dans plein d'endroits du serveur. Ça peut être tout. Ça peut être des messages épinglés, ça peut être des descriptions, ça peut être plein de choses. Plein de choses. Oh là, il y en a qui tentent de récupérer des infos du salon. Alors, ça s'approche, ça lance de la commande BB Patron. Est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants? Oh, il y a 200 messages dans le salon. Combien on est dans le salon? Comment je peux voir le nombre de personnes dans le salon? Enfin, dans le serveur membre. Normalement, je devrais avoir une petite liste de membres. On est 63. 63 personnes. Ah, il y en a qui ont des lunettes défectueuses, j'ai l'impression. Au niveau de la lecture des petites images. Allez, un indice supplémentaire. Palmer qui pète un boulon. Et de bonnes lunettes et un gros cerveau. Ça. Dès le R1, je suis perdu. C'est... comment je pourrais dire les choses? Quand vous rejoignez un serveur, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez pas grand-chose. Bah, dans le pas grand-chose, vous avez l'info. Il n'y a vraiment pas grand-chose de différent qu'on peut voir quand on arrive sur un serveur. Du coup, je pense, oui. Attends, je vais faire un petit... Ouais, j'ai l'impression, hein. Ouais, ça c'est... Ouais, ça m'a l'air d'être juste ça. Alors, est-ce que quelqu'un... 80... 850... 0,21... Ça tente des coups. Alors, je rappelle, pas d'espace, pas de signe de ponctuation dans les... Voilà, Moko, il a été chercher les ID du serveur. C'est une bonne idée, j'y penserai pour la prochaine. 400, 517, non. Ça s'approche, mais il y a encore un petit peu de... Encore un petit peu d'écart. Elle est où, la commande? Faut que je me la mette sous les yeux. C'est relou qu'on voit pas ça. Alors hop, il est où le chiffre? Il est là. Je vais me le garder quand même sous les yeux pour voir quand les gens s'approchent. Et je me remets ça. 14K. Ah, Madro est arrivé, tiens, au niveau 5. Salut Madro, bienvenue. Bienvenue à toi. Et comment on trouve les infos sur la Téna? Alors, beaucoup... Ce jeu, oh là là, Falmer. Ce jeu est fait pour aussi vous faire découvrir des aspects du jeu et aussi des outils. Et un des outils les plus connus sur le jeu Star Wars Les Rogues de la Galaxie, c'est SWH.gg. Donc voilà. Là-dessus, vous trouvez énormément d'infos et c'est beaucoup à cet endroit-là que j'ai trouvé des informations. Normalement. Alors attends. Sur le R5, j'ai une différence avec SWHGG. C'est-à-dire, tu as une différence
Avec le point GG. Alors, 621. Il y a des chiffres que vous mettez dans le Relic 5, je comprends pas. Je comprends. On a quand même, on commence à avoir du monde dans le Relic 5. Je pense que je redonne ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure. Quand vous êtes sur le jeu et sur le. Sur le jeu et sur .gg, t'as pas la même chose. Alors ça. Écoute, je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier en direct. Alors attendez, je vois, je veux être sûr que ça passe. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Plus ça, plus ça. Merde, ça avait ajouté le truc d'avant. Ah, le niveau 5, il n'est pas facile. Donc, niveau 5, dans la description du salon, on vous intime de dire, mais suivez-moi sur Twitch. Donc, si vous êtes un follow, si vous faites un abonnement, c'est super sympa à vous. C'est pas obligatoire. Non, mais il y a des infos quelque part. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être ça. Alors, attendez. Qu'est-ce qui me dit mon très cher Falmer? Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et non, pas les modes. Et tac, tac. Alors, pardon, j'ai un MP à l'arrivée. Faut-il regarder sur ton compte? Et non, très cher Alari. Ça ne se passe évidemment pas sur mon compte. L'idée est aussi de vous permettre de regarder un petit peu la puissance du compte qui est lié. Est-ce que ça sera le compte vainqueur? Je ne sais pas. Probablement, peut-être. Peut-être, mais non, non, non. Vous allez bien chercher sur les informations que vous avez eues au coup d'avant. Salut Justine Sindou, bienvenue. Ah ben WKTM, il a rage quit. Bonne soirée, salut. Ouais, alors je vois deux trucs du même nom. Alors, oui, attention, hein. Alors attends, je vais rentrer le code allié in-game. Puis je vais voir ce que ça me donne. Parce que on va quand même vérifier les choses. Tac. Non. Tac. C'est où? Pourquoi j'ai pas le. Je vais me rouvrir le point GG. Mais attention. Peut-être qu'il y a plusieurs comptes avec le même nom, donc c'est pour ça. On va vérifier. On va vérifier ensemble. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Rechercher. Ok. Je suis bien sur ce truc-là. Je vais checker. Je vais checker in-game les valeurs. Et la valeur est exactement la même pour moi entre le point GG et autre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors. La commande. Tu trouves pas? Alors. Sur la vidéo, à la fin, vous avez tous vu le code, hein, ça passe pas à travers. Pour rejoindre un serveur Discord, on peut passer par des codes. Quand tu veux rejoindre un serveur, soit tu cliques sur un lien, soit toi-même tu viens rentrer le code pour aller sur cet endroit. Attendez, attendez, attendez. Je me mets le doute. Ah, le coup dur. Donc voilà, je sais plus où j'en étais dans mon explication. Voilà.
Salut Mick Mick, bonne crise de nerf. Le truc à l'envers est impossible à lire. Petit screen, retournement, le téléphone à l'envers, bloquer le retournement du téléphone, je sais pas. J'ai compris l'indice, mais comment on va sur ton compte? C'est-à-dire, Payoche, tu es où? Où es-tu, très cher Payoche? Dis-nous tout. Dis-nous où tu te caches, à quel niveau es-tu? Il y a beaucoup de commandes et loader, je penserai à le mettre la prochaine fois. T'es en R5. Ah! Est-ce que tu as vu le... Alors, je vérifie qu'il est bien épinglé. Il y a un message épinglé en Relix 1, donc j'ai dit que c'était très important de lire les messages épinglés. Et tu as un message. Message à 9 chiffres. Qu'est-ce qui correspond à 9 chiffres dans Star Wars, les héros de la galaxie? Peut-être quelque chose qui donne des informations sur un compte. Indice pour le... R3 pour très cher Fripouillou. Où es-tu? Tu es en R3. Donc il y a en R3 pareil, un message épinglé qui vous emmène vers un lien swh.gg évidemment. Et on vous dit que l'essentiel est la santé. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller faire. Salut Destreven. Oui, il y a un jeu, on peut gagner ce soir un compte Star Wars, les héros de la galaxie. Je te mets le lien dans le commentaire. Toi aussi, va jouer et va te prendre la tête. Ahsoka. Et non, l'essentiel c'est la santé. Peut-être qu'il vous faut un chiffre plutôt. Il vous faut un chiffre. Usurpateur. Oh, Falmer qui est tout proche. Il est à rien de passer. Il retente la commande une deuxième fois, mais non, ça ne passe pas. Envie de canner. Ah, celle-là, j'ai peut-être été un peu loin dans le délire. Il y avait beaucoup d'éléments. Du coup, beaucoup de chances de se planter. Donc, le R3, je viens de le dire, vous avez un lien. Vous avez un lien qui vous amène vers une page. Et le lien vous intime de dire que l'essentiel est la santé. Peut-être qu'il y a des valeurs à aller chercher. Oh là là. Comment ça, l'essentiel, c'est la santé? Ah, Bizdoc, non, c'est pour le Relic 3. Excuse-moi, Bizdoc, là, pour vous qui êtes en Relic 5... Je trouve pas le salon pour faire les commandes. Ah, t'as pas trouvé le Discord. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui sont sur mon serveur, mais ça ne se passe pas? Ça ne se passe pas sur mon serveur. Voilà, allez bien, il faut trouver le nouveau serveur. Et le code à la fin de ma vidéo va vous aider. Ça tente du bantalte mutin. Et non, ce n'est pas ça. Donc pour le Relic 5, c'est bien un chiffre qu'il vous faut trouver, et ça y est, on a quelqu'un qui a passé la porte. GG Mitrone, qui est le premier à passer. Donc je vais rentrer le nom pour le Hall of Fame de la fin. On a le Mitrone qui est passé, ça y est. À force de hargne, il est passé. Ça devrait un petit peu se détendre après. Le 5, vraiment, j'ai l'impression que c'est un palier assez frontal. Indice R1, observez bien, quand vous rentrez dans un serveur Guacamole, vous voyez très peu de choses. Le nom du serveur, le nom du salon, la description du salon, et une dernière chose que vous voyez, et sur lequel il y a écrit quelque chose en plus. Voilà. Alors. C'est quoi déjà ce lien? Je me souviens plus. Je suis là pour vous donner des indices supplémentaires. Ah oui, c'est là. C'est... Oh là là, au palier 6, c'est la vidéo. Ah ouais, c'est les hardcore aussi, la 6. Vous êtes pas prêts. Ah, 5-6, il y a un passage douloureux, je dois l'avouer. Je dois reconnaître que j'ai pas été très sympa sur le passage 5-6. Là, j'ai pas pensé à ça quand j'ai réfléchi au truc. Il est où ce truc? Ouais, il est là. Et puis le 7 est pas facile. Je suis sadique, c'est horrible. Indice R2. Ah bah R2, là, vous avez tout dans le long du salon. Ça vous dit ce qu'il faut faire. Comment on fait pour trier par ordre sur le point GG? Tu cliques sur la valeur que tu veux, sur laquelle tu veux classer dans le tableau en haut. Alors, est-ce qu'on a du monde qui arrive en... On a du monde, on a Crips, on a Link, on a du monde qui arrive un petit peu au niveau 6. Et on a... Attends, mais Falmer, comment t'es pas rentré? T'as tapé le bon truc pourtant. Viens, Falmer. Ou alors il a quitté le serveur. Ah non, pas. Ah non. En plus, le bot a dû te dire pas loin, à mon avis.
Le bot t'a dit pas loin. Un moment. 32, 32, 32. T'es tout proche. T'es au bord du précipice. C'est cool, tu t'es arrêté pas loin. Ah, j'ai l'impression que ça converge. Hop, on voit des commandes qui apparaissent, qui disparaissent. J'ai l'impression qu'on a du monde qui va arriver. On a les Falmer, je crois en toi. Tes copains autour, ils ont mis la commande, elle a disparu. Je suis sûr que tu l'as vu. Tu l'es passé. Lâche rien, Falmer. Lâche rien. C'est... Eh non. Normalement, non. Ok. Ah, il y en a, ils sont forts. Il y en a, ils voient un truc, ils essaient tout de suite la commande. Tac. Alors, attendez, pardon, j'ai perdu le fil. Voyons voir un petit peu les commentaires qui sont faits. Le calcul est trop dur. Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. Ah mince. Alors dis-moi, Payoche, t'as besoin de... Le 6, il fait pleurer. Ouais, un peu. Eh ben, on a chié. Et vous êtes qu'au niveau 6. Officiellement, il reste 20 minutes. Je me rends compte que c'est un peu hardcore. Ok, alors. Je vais aider un petit peu pour le niveau 5. Donc. Je sais pas comment je suis retourné. Là, par ici, vous avez bien vu qu'il y avait quelque chose. Allez. Parce que c'est vous. Et parce que, certes, c'est rigolo, mais à un moment donné. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Transformer, inverser verticalement à... On n'est pas mieux comme ça. Au moins, vous l'avez à l'endroit maintenant. Alors, restez pas. Donc, s'il y a des choses que vous savez pas ce que c'est, dites-moi. Mais donc, vous faire tout simplement une addition de choses. Donc, les infos, normalement, vous pouvez les trouver assez facilement. Alors, attendez. Tac. J'ai mis ça où ? Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, attendez, j'ai peut-être un souci. Alors, je vérifie. Je ne vais pas laisser les choses ainsi. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est pas. On a atteint le point tatata, tiens d'ailleurs. Ouais. Alors. Oh, j'ai pris un tag. CS, c'est le Capital Ship, c'est le vaisseau amiraux. Donc le nombre de vaisseaux amiraux qu'il y a sur ce compte. Non, le Ratari, le concours n'est pas du tout fini, Tu comprends pas la 3 Donc c'est, à chaque fois, c'est le nombre. Donc le nombre de, et puis entre chaque plus, donc le nombre de GL pour légende. Ah non, le niveau 3. Le Relic 3. Pensez au message épinglé, je l'ai mis dans annonce. Et allez voir et on vous dit de regarder les messages épinglés. Et dedans, on vous intime d'aller voir un lien dans lequel on précise bien que l'important dans la vie, c'est la santé, la quantité de santé finalement, j'ai envie de dire. Alors, voyons voir, sur le niveau 6, on a des gens qui commencent à un petit peu proposer des chiffres. Voyons voir comment ils sont. Alors, comment ça se fait qu'au niveau 6, vous mettez que des chiffres? Il y a des lettres également. On vous demande la première lettre de certaines choses. Comment se fait-ce que vous me sortiez que des chiffres? Ah, me voilà surpris.
Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien. Moi, je ne comprends même pas comment commencer. Alors, ce qu'on va faire, pour que les gens puissent jouer si jamais vous débarquez, normalement, il y a une vidéo, il y a un code. Il y a un code à la fin. Et en fait, vous pouvez rejoindre un serveur Discord tout en bas de vos Discord. Vous avez un plus, vous pouvez ajouter un serveur. Et donc, on vous dit, rejoins un serveur parce que vous avez déjà le code. Vous pouvez mettre le lien ou juste le code, en fait, du serveur et les 8 chiffres que vous avez correspondent, ou 7, ou je sais pas combien il y en a, correspondent au code du serveur. Vous mettez ça, rejoindre le serveur et vous allez atterrir sur le serveur où on peut jouer. Et merci InXS de renouvellement d'abonnement, même si je vous en fais baver sévère. T'as pas bien compris le second indice du R6. Alors attends, il faut que je retrouve ce que j'ai écrit, parce que là j'ai plus en tête exactement l'ordre. Donc tu m'as dit le deuxième. Donc c'est un perso. Enfin, on cherche un perso, et donc sa première lettre, on cherche un perso qui est le plus là dans le jeu. C'est là où c'est la type de, enfin le personnage de Star Wars qui est le plus représenté dans le jeu. Mais il faut pas qu'il ait de taxe soutien. C'est la condition. Salut, Herpes Chocolat. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et indice pour le R1, oui, tout à fait. Il faut observer. Quand on rentre dans un serveur, on voit pas grand-chose. Et le peu qu'on voit devrait vous aider. En tout cas, sur SS, on commence à avoir un petit peu de monde. Alors attendez, donc il faut, c'est du coup 40, donc il faut que j'ajoute 1, effectivement, il y a l'air, le hotbot me donne pas la même chose aujourd'hui et hier sur un truc, je comprends pas bien, donc je vais faire juste la petite modif pour éviter de faire galérer les gens, tac, et tac. Et voilà. Ah, j'ai fait perdre quelques années d'espérance de vie à Falmer. Ok, je lis un peu mes MP quand même. J'en suis à... Je fais le crash test concours. C'est ça. Pourtant, j'en ai fait un, mais pas assez. Faut bien regarder sur ton... C'est speed ou TM pour la vidéo. Speed, je crois. Attendez, je suis pas sûr de ce dont tu parles. Attendez, hop. C'est speed, oui c'est speed. La question qui m'a été posée en MP, c'est bien ça. Je vais me mettre le truc. L'enchaînement 5-6, j'avais pas pensé, je vais faire rager du monde à des gens qui vont arrêter. Dire, fuck le compte là, c'est bon. Alors, des indices pour le R5, où j'en ai donné un petit peu, je peux... le 6 en parallèle du live, c'est hard. Effectivement, à terme, je pourrais vous donner, vous écrire le texte dans le salon. Je vais faire ça d'ailleurs. Je vais faire ça pour vous aider. Alors, je vais copier aussi ça. Voilà. Et je vais aider un peu les gens du 6 qu'effectivement avec la vidéo. Hop, voilà. Je vous mets ça. Comme ça, ça vous aidera un petit peu. Oups, là. Oh, il y avait les réponses. Quel boulet. S'il y en a qui sont bons et qu'on fait des screens, GG à vous. J'avais mis les réponses avec. J'ai copié-collé mon draft. Hop là. Petite question, ça veut dire quoi CS dans le texte? CS, c'est les vaisseaux amiraux. Vaisseaux amiraux. Donc pour le 5, non. Donc j'ai commencé à donner des indices. Donc vous avez là maintenant. Hop là, toujours ici. Je vous l'ai mis dans le bon sens là. Les indices. Il faut faire la somme de tout ça. Pensez bien que les Kairotech, ce sont les deux types de Kairotech. Voilà.
que le nombre de mods. Vous pouvez vous aider de certains bots qui permettent de vous sortir ces valeurs-là. En plus, j'ai pris 25, donc tous les mods comptent pareil. Parce que des fois, les plus 20, il y en a qui comptent différemment. Voilà, après, c'est assez simple. Et passez bien sur la page de Patreon. Je vais regarder ce que les gens, en allant voir sur mon Patreon, se sont dit, bah tiens, je vais en profiter, comme il me fait bien rager et que j'ai envie de le buter, et compris un abonnement. Non, n'hésitez pas. Si vraiment vous vous ennuyez, que vous tournez un peu en rond dans le concours, n'hésitez pas à faire ça. À prendre un abonnement Patreon. Ça fait toujours plaisir. Mitrone, t'es deck pour le 6. Ah, et que se passe-t-il sur le 6? Ah, il est pas facile, mais il est plus simple que celui d'avant, je pense. Il est... Quoique, il y en a, il faut compter des trucs un peu relous. Il faut compter des trucs un peu relous. Et en plus, le pire... Ouais, le pire, c'est que le 7... Pour une fois, il faut se souvenir du premier indice du 6. Ah, j'ai été rude. Il y a la réponse pour le premier indice du 6. C'est-à-dire... Bah, il faut soit connaître les kits, soit après, ce que disait Madro, vous pouvez aussi en discuter, dire « Ah, moi, je sais pas ce que c'est que ça. » Voilà, est-ce que ça se dit, est-ce qu'il dit des choses un petit peu? Non, Madro n'a pas trouvé de soutien pour discuter de tout ça. Alors. Ah! Ah oui, entre parenthèses. Ok, bah ça vous fait le petit indice. C'était pas le plus simple en plus à trouver. C'est pas le kit le plus connu. Ok, ok. Alors, les modes speed, c'est les modes avec 25 de vitesse ou plus. Sans les flèches. C'est vrai que c'est. Pardon. C'est. Oui, c'est sur les secondaires. C'est vrai que ça me paraît évident, on va pas compter les flèches. C'est vrai. Je vais le préciser quand même. Avec 25 vitesses secondaires. Secondaires ou plus. Par contre, ça m'a décalé ça. On va mettre ça. Est-ce que là, tout rentre dans le texte? Non, il va falloir que... On va rajouter ça. Et est-ce que ça rentre toujours là? Oui, ça rentre toujours, on le voit. C'est le moment où je vais tuer quelqu'un. Pour l'indice R4, j'ai... Alors, pour R4, j'ai l'indice, mais la commande est introuvable. Ah. L'as-tu vraiment? Ah, ben oui. Eh oui, parce qu'en fait... Mais ça, je l'ai découvert, alors complètement au hasard. Complètement au hasard. C'est-à-dire que... Donc, il faut trouver le perso qui a le moins de ténacité de base. Vous avez ça sur .gg, il y a une page qui vous le donne, vous triez. Mon conseil, copier-coller le nom. Parce que moi aussi, j'ai fait une faute d'orthographe. Je ne l'ai jamais écrit bien de toute ma vie, ce nom de personnage-là. Je compte les flèches depuis le début. Oh, merde. Je suis désolé. C'est tellement évident pour moi que c'est les secondaires. Ah là là. Me manque la 4 pour le R6, si jamais. Ah, tu as du mal avec la quatrième. Alors, 1, 2, 3, 4. Ouh, celle-là, elle est dure. Effectivement. C'est pas, en plus, c'est pas les kits des... Merci, Turim. C'est pas la capa la plus connue, mais effectivement, c'est une faction peu utilisée, un petit peu reculée. Une faction qui sert beaucoup aux mécaniques, enfin qui joue beaucoup sur des mécaniques de santé, de soins, de dégâts sur l'adversaire en fonction de la santé max, de santé qui se cumule avec le temps. Voilà, ça donne un petit peu quelques indices. Bloqué au R5 d'Altec, à mon avis, beaucoup de gens vont être bloqués sur le R5. Posez-vous bien sur l'addition. N'oubliez rien, parce qu'il y a du... Alors, ce que je vais faire, je vais attendre que des gens passent un peu le niveau 6, et au niveau 5, je remplacerai certaines des indices par la valeur directement pour vous aider. Surtout, je pense, au niveau des mods, ce qui a l'air de faire un peu criser. Donc, voilà, je vous aiderai à ce niveau-là. Alors, Enix est en train peut-être de tenter une commande. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés? Ah, mais il y a des gens qui sont arrivés au niveau 7, pardon. Mais Ryuton est arrivé au niveau 7. Bravo. Bravo à toi. Alors là, pour le niveau 7, c'est une combinaison de se souvenir de ce qu'il y avait écrit au tout début du niveau 6. Et surtout, bien me suivre sur les réseaux sociaux.
très important. Coup de main sur le R1, je rappelle l'indice. Prod JML avec mod. Oui, de toute façon, c'est toujours compté avec mod sur le point GG. Tout à fait. Le R1, vraiment, quand on rentre sur un serveur, on voit pas grand-chose. En plus, il n'y a pas de message épinglé à cet endroit-là. Donc, il me semble, on n'a pas de message épinglé. Vous voyez, un titre de salon, un titre de serveur et une icône. C'est tout ce que vous voyez et l'indice est là-dedans. J'ai pas de réseaux sociaux, mais je suis pas non plus R7. Ouais, mais toi, ça te fera pas peur, ça. Ça te fera pas peur. Le 6 est infect. par contre, on m'a demandé un coup de main. Et la relique 4. Relique 4, faut bien orthographier le nom du personnage. Alors attendez, pourtant ça a l'air bon, ça, non? Ah, ça y est, c'est passé. Donc ouais, orthographez bien le nom de ce personnage-là. Mais putain, il y en a qui arrachent sur le niveau 5. Comment vous n'avez pas dit le truc qui commence par 146? Eh oui, parce que bah, Grégouze, il y a la... À partir du moment où dans la somme, il y a la protection de JML, ça fait tout péter. Alors, Mitrone, qui nous tente la première commande? Alors, je vais t'aider un petit peu. Attends, alors, hop, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Ok, donc la deuxième, ça ne va pas. La troisième, ça ne va pas. Enfin, j'ai mis des pièges en plus. La septième, ça ne va pas. Il y a pas mal d'erreurs. J'ai été ultra hardcore sur la 6, parce qu'il y a des trucs, faut vraiment faire gaffe, en fait. Vous avez des trucs où il faut compter certains persos qui posent certains debuffs. J'avais été extrêmement optimiste. Non, en fait, si vous êtes le premier, vous n'avez pas gagné. D'ailleurs, je tiens à préciser. Tous les gens qui finissent auront une chance de participer au tirage au sort. J'avais prévu 50 colonnes sur 50 lignes. Je ne sais pas si on sera à 50 à la fin. Alors, ça tente des trucs. Le début est bon. Vous avez tous une erreur sur le chiffre. Sur le premier chiffre, vous avez... Ah non, ça y est. Il y en a un qui a trouvé. Oh là là. Oh, Dharma, c'était pas loin. Dharma, c'était même... Attends. Ouh, Dharma, c'était pas loin. T'es pas loin du tout, mais t'as un personnage que un truc où il faut... t'es pas bon sur le 2. Voilà, je vais te le dire comme ça. J'arrive pas à trouver d'indice différemment. Mais alors attendez, je vais vérifier quand même que je ne me sois pas trompé. Non, c'est bien ça, y a pas de souci. Alors, Ruton. Eh, salut Link. Alors, au niveau 7, là vous avez. Alors, vous venez d'utiliser, je vais mettre un truc de 8 caractères. Je vais juste vous mettre ça. Voilà. Et je vais l'épingler. Et je, quand même, si je vais vous dire, faut le réutiliser. Quand je vois qu'au niveau 7, t'étais vraiment pas du tout loin d'avoir fini, en fait. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'une fois que ça sera fini, je vous referai un grand débrief de tout ce qu'il fallait faire et il y aura la version coûte comme ça pour courte pour ceux qui rattrapent le concours sur YouTube ensuite. Ça marche comment? Quel sieur qui débarque, trouve le bon serveur Discord et rattrape tout le monde, montre nous ta puissance. Il y a un essai chopé ici sur Twitch pour le R5, tout à fait Guacamole, il y a un indice. Oh, je me trompe à chaque fois, juste j'y arriverai jamais. Pas compris, le R5 c'est une somme. En R5, vous avez à faire une somme de différentes choses. J'ai pris un tag en salon Relique 5. Qui a ragé Pépito Cerite? Là, si on doit finir dans 5 minutes, tu prends les 50 plus loin en Relique 7. Ouais, ça va être un truc comme ça. On va voir, effectivement. Parce que moi, je veux pas non plus durer trop tard ce soir. Peut-être qu'on s'arrêtera avant et je prendrai tous les gens qui ont atteint un certain palier.
Je l'ai épinglé dans Relic 7, mon message, hein, je crois. Mais j'ai supprimé le message qui dit que j'ai épinglé. C'est bon. Non mais quand même. Hashtag réseaux sociaux. Ah, je vais mettre ça. Et je vais épingler. Voilà, c'est vrai que je vais aider un peu parce que j'aimerais bien quand même que ça soit fini. Et je pense qu'il y a... Je vous sais capable. Une fois que vous avez passé ça, il y a un petit truc un peu difficile. Après c'est du tranquille. Le 8 et 9, franchement, ça devrait aller vite. Le 7, c'est le dernier petit peu. Il faut trouver. Le 7, en fait, il faut que vous trouviez l'indice. Et une fois que vous l'avez trouvé, cet indice vous donne la commande. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Et du coup, en Relic 6, ce que je vais faire... Parce que je pense qu'il y a des gens... Mais il est ravagé, ce pépito. Je me cherche... Ah, mais si, j'ai encore de l'eau. Oh putain, j'adore. Et si, franchement, si ça vous plaît de faire ça, mais moi, je suis chaud pour faire des dimanches puzzle. Vraiment chaud. Et alors, je sais pas ce que je peux faire gagner un compte tous les week-ends. Mais genre, vraiment, si ce genre de truc, on est 1000 à jouer, que j'ai des vues, des abos et tout machin, et moi, je vous fais gagner des sets Lego, je vous fais gagner des cartes cadeaux Android, je sais pas, mais... Ah non, je déteste. Moi, j'arrête. Ah, ok. Oh, Ryuton nous dit, ok, j'ai trouvé. C'est beau. C'est beau. Je crois en toi, Ryuton. Alors, j'avais fait de mon poulain Offray qui avait bien démarré. Alors, soit on l'a perdu en cours de route, soit il a dû arrêter de jouer. C'était mon poulain. Alors, niveau 5, c'est quel compte ? Alors, voilà, pour le niveau 5, il s'agit bien sûr du compte. Et vous avez un message épinglé avec un code allié. C'est bien de ce code allié qu'on parle. Le code allié qui est le compte à gagner, évidemment. Évidemment. Mais quel allié ? Pas, jamais d'espace. Jamais d'espace dans les commandes. Je le rappelle, c'est écrit dans annonce. Relic 7. Alors, et en Relic 7, c'est le code que vous allez mettre, c'est un chiffre. Le code que vous avez trouvé avant, les 8 chiffres, va vous servir à trouver quelque chose. Il y avait un indice au tout départ de ce que vous avez fait. Vous avez été voir une vidéo, il y avait du texte. Il faut tout regarder. Ou alors la prochaine fois, vraiment, je le fais et je laisse plus de temps. Si je fais, j'ai l'impression que le niveau de difficulté est élevé. Peut-être qu'il faut faire et le laisser un petit peu plus de temps, en fait, pour avoir le temps de creuser, d'échanger, etc. Ça peut être intéressant. On fera un débrief. Comment on met le niveau de base sur .gg ? Il faut juste, quand tu cherches les personnages, dedans, en fait, tu vois, quand tu fais unit search, là, t'as la liste des personnages et voilà. Quand tu cliques dessus, tu vas avoir leur niveau de base. Ah, Fallen qui commence. À mon avis, Fallen a trouvé l'indice mal caché, comme dit Darmaz. Donc ça, c'est bien. Par contre, les réponses sont catastrophiques. les réponses, ça ne va pas. Donc allez, je vais vous pousser un peu pour ceux qui sont Relic 7. Vous avez trouvé en Relic 6 un code. Ce code va vous permettre de trouver une image. Où me direz-vous, il y a des indices au niveau 6 dans le message épinglé ainsi que sur les réseaux sociaux. Ton Twitter date de l'année dernière. Non, c'est pas Twitter. J'utilise très peu de réseaux sociaux. J'utilise Discord, YouTube, Twitch. Et un dernier. Pas souvent, mais quand même de temps en temps, je mets mes petits trucs. Et puis j'ai mis un post il y a 2 jours, évidemment, qui peut vous apporter de l'aide. Et une fois que vous avez fait ça, oh, le chemin n'est pas fini. Alors, qu'est-ce que ça dit ? J'ai pas accès à mon tel, comment je fais le calcul pour le code allié ? Ouh, ah ouais, bah là, ça va être compliqué, effectivement. Ça va être compliqué. Ou sinon, note-toi ce qu'il faut additionner sur un bout de papier.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est pas le code de ton téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un en Reliquid d'ailleurs? J'ai pas vu. Non, il y a personne. Problème là avec la solution? Non. Reich, Reich, qu'est-ce que quoi? Hein? Donc R5, le calcul, il est juste en bas là. Il est ici. Vous devez additionner. Donc j'ai dit que j'allais commencer à donner des petits indices. Donc sur le R5. Je veux remplacer le compte de mode 6 plus par la vraie valeur directement. Donc je vais remplacer et il y aura les valeurs en clair. Donc attendez, parce que je veux être sûr de mettre les bonnes valeurs, de ne pas vous enduire d'erreurs. Tac, donc c'est bien ici un 322 plus donc les modes avec 25 de vitesse secondaire au plus. Il s'agissait bien donc de 45. Il y avait un petit souci à ce niveau-là, mais normalement maintenant on est bon. Et ensuite, tout le reste, vous pouvez trouver assez... Allez, je vous mets les Cairo pour démarrer Jabba, parce que pareil, ça peut être un petit peu plus loin à chercher. Et je vous mets la bonne valeur directement. Voilà, je vous simplifie un petit peu les choses. Tac, on va mettre ça ici pour toujours que ça soit bien visible. Et soyez heureux, les premiers, ils l'avaient à l'envers. Hein. Il va falloir un deuxième week-end pour me remettre de ça. R3, je comprends pas avec la santé. L'essentiel, c'est la santé. Peut-être qu'il faut un chiffre. Répulse. Alors, pour ceux qui sont niveau 7, vous avez trouvé l'image, j'ai l'impression, pour certains. Et cette image vous demande de choisir les possibilités sur chacune des images. Et les flèches vous donnent l'ordre dans lequel il faut écrire ces chiffres. Si vous n'avez pas trouvé l'image, la Tartif a donné un bon indice à combiner avec le code RELIQUE6. J'ai dit ça, je dis rien. Alors, pour ceux qui sont... pour ceux qui sont RELIQUE6, je vais vous épingler un nouveau message que peut-être vous allez pouvoir voir maintenant, qui va peut-être vous aider pour éviter les allers-retours dans la vidéo, éventuellement. Faut les réseaux... Non, c'est pas du tout obligatoire. J'avais mis un indice il y a quelques jours sur un de mes réseaux sociaux. Je vous rappelle, j'en ai pas beaucoup. C'est pas Twitter, c'est pas Facebook. C'est pas TikTok, c'est un dernier. Et dessus, j'ai mis un petit indice. Mais c'est pas du tout obligé d'avoir, hein, parce que vous pouvez trouver tout seul avec en RELIQUE6. Il y avait un lien qui était donné dans les messages épinglés RELIQUE6. Vous aviez un lien. Et dans ce lien, il y avait un petit indice. D'ailleurs, je vais l'épingler aussi celui-là, parce qu'en fait, ce qui est épinglé, c'est le GG. On va plutôt... mais sinon... Ah non, c'est juste qu'on le voit pas. C'est bon. Ok. Pour R5, la commande marche pas, j'ai capté, mais je dirais pas tout pour le spoil. Fripouillou, elle fonctionne, la commande a priori. C'est peut-être qu'il y a une erreur dans le calcul qui t'empêche d'avoir la bonne valeur. Alors, je trouve pas le code, mais en tout cas, le premier combat semble mal engagé. Attendez, faut que je me remette l'image, moi. Le premier combat mal engagé? Absolument pas. Le premier combat, en plus, c'est une win. Non, celui qui est mal engagé, c'est le quatrième. Quatrième, on est mal barré. Premier, je crois que c'est une win. Hein. Après, Fripouillou, n'hésite pas à me faire... si vraiment vous avez un doute sur la commande, vous pensez que vous avez la bonne chose, envoyez-moi un MP, dites-moi les réponses que vous avez dites et je vais vous dire s'il y a un des trucs qui est faux pour pas vous laisser coincer. Deathraven qui a tag everyone. Ah là là, pour le salon 1, regardez bien l'icône du salon. 2, 3, 1, 2. Alors, si vous êtes, sachez que pour le niveau 7, si vous êtes à un coup de trouver, normalement, tous les cas ne sont pas traités, mais s'il y a une erreur et qu'a priori, c'est l'erreur entre les deux choix qu'on pouvait avoir, vous aurez un message. Voilà, tu vois, par exemple, celui qui a... Il y a oulala les contre-attaques. Normalement, tu n'as qu'une seule erreur. Si vous avez un message du bot, mais que ça ne vous fait pas passer, vous n'avez qu'une seule erreur. J'ai pas eu le temps de traiter tous les cas, mais en tout cas, si vous répondez, c'est qu'il y a une erreur, pas deux. Donc t'es pas loin. Et qui est-ce qui est pas loin? Mais je ne sais pas. Je sais pas qui a fait cette commande, mais il est tout proche. C'est toi, Mitrone. Oh, allez, Mitrone. La remontada, Mitrone. Faut mettre le lien raccourci.
Hop. Qu'est-ce que ça dit? J'ai pris un autre tag ici. Est-ce que je me fais insulter? Non, ça va. Alors. Est-ce que... Ah, on a repris... Oulala, les contre-attaques. Il y a quelqu'un qui va arriver relique 8 dans très très peu de temps. Et a priori, une fois qu'on est relique 8, c'est l'autoroute de la victoire. Et il y a quelqu'un qui ne connaît pas son kit de HK47. Qui va être le premier? Je regarde ça avec impatience, relique 7. Ah, là, ça a tenté... Oh là. Ah. Et ça y est, Fallen est passé. C'est le premier à avoir vaincu l'étape numéro 7 qui n'était pas évidente du tout. Elle demandait et de la coordination au niveau des indices, etc. Un petit peu de connaissance des outils informatiques et surtout une bonne connaissance du jeu. Bravo à toi. Les commandes du bot, elles se font sur un serveur qu'il faut trouver. C'est à la fin de la vidéo indice. Il y a le code du serveur Discord à la fin. Et après, je te laisse te lancer, très cher Kelsier. Donc, niveau 8, ça devrait aller vite. Bon, faut quand même aller chercher l'info. Normalement, alors, j'ai compté. Elle est très facile, parce qu'il y a juste 2-3 trucs à compter. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on peut avoir pas mal d'infos à pas mal d'endroits. Les omigac, comment on filtre? Oh, bon, il n'y a pas de filtre. Il faut aller voir les omis et puis compter. Là, pour le coup, Yama. Aide au niveau 3, on cherche un chiffre. Cherche un chiffre et la santé est essentielle. Et pensez bien aux choses qu'il y a d'épinglées. C'est très important. Ah, ça y est, les gens dans le salon Relic 7 commencent à avoir des messages du bot qui leur dit qu'ils font des petites erreurs. Donc, a priori, on devrait avoir du monde qui arrive. Mitron est arrivé aussi. J'ai vu Grégouze est là. Grégouze fait bien son retard et vous n'êtes plus qu'à 2 niveaux. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que le premier est arrivé Relic 10, On va laisser 15 minutes, on va dire ça. À partir du moment où vous êtes relique 10, on laisse 15 minutes à des gens. Est-ce que c'est un peu long? Ah, il est quelle heure? Oh, il est déjà tard. 10 minutes. Je laisse 10 minutes à partir du moment où le premier est arrivé au dernier niveau. Voilà. Ce qui devrait arriver très prochainement. Il faut faire quoi R5? Au R5, il faut faire la somme des choses que vous avez juste ici. Voilà, ici, vous avez une addition à faire. En allant chercher sur le compte qui est à gagner. Alors niveau 8, ouais, il faut trouver le bon endroit pour compter ça. Il faut trouver le bon endroit, le nombre de playlists que j'ai créées. Il faut aller regarder au bon endroit. Normalement, si vous allez sur ma page, vous pouvez naviguer. Il y a quelque chose, il y a un onglet. Et normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. Il me semble. J'ai l'impression que je me suis pas... J'ai vérifié que c'était dès qu'il était bien visible. Je pense ne pas m'être trompé. Bordel, tu te fous pas du monde avec le compte que tu offres. Ah oui, tu rimes. Ah oui. Et on parlera de la personne qui permet ça, évidemment. Évidemment. Parce que c'est un énorme cadeau qu'elle a fait. Désolé pour les vrais sur Discord, il n'y a pas de problème. De toute façon, les gens sont sur ce Discord. Donc voilà. Je craque sur le R5. Ah, le R5, ouais, il est pas... C'est pour vous faire découvrir le compte. Vous voyez les nombres d'Omicron GAC, le nombre de GL qu'il y a. Est-ce que... Oh, tiens, les Inquis sont up G13, mais incroyable. Incroyable. Le R8 bug, non. Non, le R8... Alors, je sais pas où est-ce que vous trouvez... tout ça, mais ce n'est pas du tout le bon ordre de grandeur. Alors attendez, moi, peut-être que je me suis trompé, donc écoutez, il n'y a pas de souci, je vais aller recompter. Quand on est sur ma chaîne, il y a un onglet playlist. Hop, et moi, j'en compte. J'en compte plus que l'autre fois. J'en compte pas ce que vous mettez, mais j'en compte plus. Pourtant, j'ai regardé hier. Alors, attendez. Il me les affichait pas toutes. Ok, ben je vais changer.
Ok, je change. Désolé. Je le remets à jour. Il ne me les affichait pas toutes hier. Vous m'envoyez désolé, messieurs. Ah, ça va permettre à plus de monde de rattraper un petit peu. Tac. Ok, normalement, j'ai mis à jour avec la bonne valeur. Vous pouvez retenter des commandes. L'affichage ne marchait pas. Alors, est-ce qu'on a du monde qui va arriver à Relic 9? Normalement, j'ai changé. J'espère que j'ai bien compté. Là, j'ai R4 ménage. J'arrive vraiment pas à trier. Alors, allez. Alors, bah, ce que je vais faire, c'est pour celui-là, je vais passer en mode... passer en mode game. Regardez ça. Donc, quand vous êtes sur le point GG, voilà, vous avez la possibilité de regarder plein de choses, de regarder les persos, de regarder les stats, etc. Des databases, etc. Et quand vous regardez... attendez, c'est où ce truc? Top caractère, meta, fleet best mode, top player. Ça c'est sur les players, mais on peut voir ça sur les persos. Relique comparaison, relique player data, abilities, caractère stat. Voilà, c'était en plein milieu. Caractère stat, et ici vous avez les stats de base, vous avez les stats d'attaque, de défense. Les capacités, les gears, et dans le stade défensif, vous avez la ténacité. Si vous cliquez sur ténacité, que je vais vous faire sur la santé, vous pouvez trier. Hop, ça compte plus ou moins de vol de santé, la résistance, l'armure. Pareil sur la ténacité. Je vais quand même pas vous donner la réponse comme ça. Je vais vous laisser chercher. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont passés du coup, qu'on mis... Et alors, j'ai regardé qui est le premier à arriver à Relic 10. Relic, alors désolé, du coup... Relic 8, j'aurais pas vu qui était le premier puisque j'étais en train d'expliquer le truc, mais à mon avis, vous avez convergé assez vite. Ouais, désolé, donc j'aurais pas l'identité. Et c'est Trimo, et c'est important de voir qui arrive en premier. Trimo, on a Ryuton qui arrive dans la foulée. Alors, il va falloir que je sois observateur. Bravo les gars, Mitrone est arrivé également. Et alors, il va falloir que je sois observateur, parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que Grégouze est arrivé. J'aurais dû mettre un bot qui me dit qui arrive quand. Parce qu'en gros, plus vous arrivez tôt, plus vous avez de chances de gagner. Alors, les différences de chances sont très infimes. C'est pas 50%, puis 20, puis 10. Tout se joue autour du pourcent de chance. Mais voilà. Et donc, en tout cas, il est 21h15, donc à 21h25, le concours s'arrête. En gardant les noms de ceux qui sont arrivés. Et ce que vous faites quand vous arrivez, écrivez. Je vais vous demander d'écrire un message, comme ça j'aurai le truc. Écrivez un message en arrivant pour le classement. Juste, voilà. C'est pas obligé d'écrire un long message, juste coucou. Enfin, juste A. Enfin, voilà. La cryptique qui est là. Je vais noter aussi un peu en même temps, mais voilà, on va faire comme ça. Et floudez pas. Voilà. Je suis deuxième. Toujours vivant. Voilà, foudez pas. Je vais remettre le message ici. Pas de floude. Écrivez juste un message. Je vais mettre un mode lent. En fait, tout simplement. On va faire ça. Les premiers, je vous ai. Et les autres, je vais mettre un mode lent, tout simplement. Paf, pas de message avant 6 heures. Voilà. Et comme ça, on est tranquille. Ok, Mitrone. Mitrone deuxième, pas de souci. Tac, tac. En tout cas, GG à ceux qui sont arrivés. C'est Capital Ship, c'est les vaisseaux amiraux. Nemo, qu'est-ce que t'arrêtes tout de suite? T'es trop loin, mais non, tu peux remonter. Je suis bloqué R1 alors que j'ai tous les persos R7. C'est quoi Prod JML? C'est la protection de JML. Conclusion du set, je suis encore un gros noob pour le compte. Bon, tant pis, j'ai compris qu'on a le talus. Ah là là, désolé. Très chouette de concert, merci Grégouze. L'indice du R2, c'est quoi? R2, c'est écrit dans le nom du salon. C'est le nom du salon. 34. Pourquoi 36?
Attendez, hop, hop. Ok, alors, tac, est-ce qu'on a du monde qui est arrivé? J'ai l'impression. Fallen est arrivé à bon port. Link est arrivé à bon port également. Bravo, les gars. Pour l'instant, je vais compter le nombre de personnes en relique 10. Comme les gens sont arrivés, qu'on a poussé le concours, je vais compter ceux qui sont arrivés en relique 10. A priori. Merde, faut que je désactive les commandes qui disent presque, parce que du coup, c'est pas le presque du bon endroit. On va supprimer ça et supprimer ça. Voilà qui est fait. Ah, ça va rusher, à mon avis, dans les dernières minutes. Il y en a qui. Il y en a qui trouvent que Bastille Achan est un vieux sage. Ok, alors au niveau relique 10, on n'a pas beaucoup plus de nouvelles arrivées, mais on a du monde. On a du monde en relique 9 qui arrive gentiment. Tout est possible. J'arrive, je saisis pas ce qui se passe. Ah oui, là c'est sûr que. Voilà. Sinon, pour le classement, tu peux voir les logs dans l'ordre de qui ont eu le rôle R10, Riuton, c'est une. Comme c'est le bot qui l'a donné, je sais pas, je vais regarder tout de suite. C'est une. Ouah putain, mais par contre, il y a tellement de. Les logs, il y a tellement de trucs. Filtré par action. Mise à jour. Ouah, c'est chaud. Mise à jour des permissions. Mise à jour. Rôle de membre. Mais il fait quasiment que ça. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ouais, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Mais du coup, par contre, Riuton, t'es arrivé juste avant Mitrone. Effectivement, dans les logs, tu as eu le R10 juste avant. Ça se joue peut-être à la seconde. Après, je vous rassure, ça change pour, à mon avis, 0,01%. Voilà, dans le Hall of Fame. Mais effectivement, Riuton, tu étais avant Mitrone. Allez, plus que 5 minutes, c'est à 21h25 qu'on s'arrête. Aide pour le R3. Le R3, le R3, le R3, on cherche la santé d'un personnage en chiffres. Et pensez bien à regarder les messages épinglés, toujours. L'enfer, le relique 6. Oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Vous avez un message épinglé qui vous empêche, enfin, qui vous évite d'aller voir la vidéo. Qu'est-ce que ça dit d'ailleurs? Je vais regarder combien de personnes sont allées voir cette vidéo. On en est où? On en est où? On a 26 personnes qui ont été voir la vidéo indice. Ok. Il y avait des petits commentaires sur ma vidéo. J'avais pas été voir ce qui avait été mis. En galère déjà sur le premier. C'est à quelle heure? Mais c'est maintenant, X-Mountain. C'est maintenant. Le 6, c'est pas évident. Ah, on a du monde qui est arrivé en release. Bonsoir, NX. Falmer est arrivé. Voilà. Il a. Il a mis le gif en inversé de ce qu'il avait mis quand il est arrivé. Orphée, tu es là. Bravo à toi. Bravo à toi. Darmaz est arrivé. Message, tout à fait. Bravo, bravo à vous, les gars, les filles. On a combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personnes qui sont arrivées. J'ai oublié de disliker la vidéo. Pépito, t'as vraiment trop forcé pour R5. Et encore, au début, c'était à l'envers et il y avait encore plus de chiffres. Allez, pour le rush final. Pour le rush final, je vais vous faciliter encore un petit peu. Qu'est-ce que je vais. Allez, je vais vous mettre la prod de JML. Je vais vous mettre la prod de JML. Tac, et on va essayer de permettre de faire un petit rush de fin. Alors, en 5 minutes, si vous saviez ce qu'il y a. Sur le niveau Relic 6, bah vous ne diriez pas que ça va être l'autoroute. Mais 1000. Voilà le nombre de ça. Hop, ici, ça sera plus simple.
Et le reste, c'est assez facile. Il reste quasiment plus trop de difficultés pour Rocher. Pensez bien qu'au niveau, qu'au niveau Relic 6, vous allez devoir cliquer sur une vidéo indice. Le nom de la... Enfin, pas le nom de la vidéo, mais le nom du bouton sur lequel vous cliquez pour aller dans la vidéo est un indice. On vous dit t'es tiny, mais t'es trop fort. Le mot tiny, couplé à ce que j'ai pu dire sur les réseaux sociaux de type instagramique récemment, peut vous mettre sur la voie de comment utiliser le fameux code que vous trouvez au niveau Relic 6. Une fois que vous avez trouvé la commande, mais cette commande vous sert encore un petit peu plus tard à croiser entre le nom du bouton et ce que j'ai mis sur Instagram hier. Ça devrait vous aider. Et normalement, si vous passez ça, après, c'est que votre skill qui fait la différence une fois que vous avez trouvé cette image. Maximilien, est-ce qu'il est passé, Maximilien? Parce que je vois qu'il a foudé. Oui, il a foudé des numéros et il est passé. Il est passé. Ok. Il y a un petit problème d'orthographe, mais sur le niveau 9. Tac. On a toujours que 11 personnes qui sont en relais de 10. Quelle sueur. Je suis en train de lire des descriptions de vidéos de Pépito alors qu'il n'y a rien de temps. Voilà. Mais alors, s'il y en a qui ne voudront pas... Après, on va faire le débrief. On va faire le tirage au sort. Avec un superbe fichier Excel. Et une fois qu'on aura fait ça, je ferai un débrief de toute la solution. Si vous voulez pas l'avoir parce que vous voulez continuer à jouer, vous supprimez, enfin vous n'écouterez pas et vous pourrez faire le jeu sans aucun signe. Le concept est hyper cool, mais pas assez de temps. Ouais, je suis un grand, j'adore jouer, j'adore les jeux et j'adore créer des jeux et j'ai souvent fait ça, des quiz, des énigmes, des machins, des chasses au trésor. Moi, j'ai l'impression de faire des trucs, et en fait, je fais des trucs hardcore, je crois, à chaque fois. Donc là, une heure, c'était cool. Tu vois rien, moi, sur hier Instagram, avant-hier, j'ai fait ça tout récemment. J'ai dû poster vendredi, je crois, peut-être, effectivement. Je poste une image, mais je poste surtout du texte dans lequel je vous parle d'un outil qui est petit et qui parle du RL. Voilà. Je m'en fous des cerveaux laser. Est-ce que... Moi, quand même, j'ai mis plein d'indices qui incitaient à aller voir comment ça se passait sur mon Patreon. J'ai pas eu de join Patreon. Je suis un peu déçu. Je pensais que ça marcherait. Technique scandaleuse de commercial. Mais ça n'a pas bien fonctionné. Le R6, tu penses qu'on se fait troll? Mais pas du tout. Alors, prenons un message au hasard. Par exemple, ce bon Madro, il nous a dit YC7... H-A-S. Et tu as un chiffre de réussir, très cher Madro. À un chiffre de la réussite. Mais il est fou celui-là parce qu'il faut bien compter. Il ne faut pas juste faire des recherches sur .gg. On vous demande de chercher des personnages qui ont certaines capacités. Combien pose, je ne sais pas, par exemple la destruction d'armure, etc. Il ne faut pas juste faire un .gg armor shred parce qu'il y en a. Ils ont des interactions quand ils tapent sur une destruction d'armure. Pas quand il ne la pose pas. Donc faut bien faire le tri dans ce que vous voyez. Attention. Le R6 est pire que R5. Ouais, R5 effectivement, c'est des informations à additionner qu'on trouve assez facilement. Dans l'autre, il faut connaître un petit peu les kits. Il y a des choses pas évidentes. Et quand vous êtes en Relic 7, pensez bien. Faut pas réutiliser la même commande. Faut pas utiliser YouTube. Faut pas utiliser... Instagram. C'est bien les petites URL. Comment on fait des petites URL? Il vous reste... Oh bah c'est fini. C'est fini. Maximilien, tu es le dernier. Je vois que l'heure comment je ferme? Il faut que je supprime la commande. Non, je vais vous laisser. Mais Maximilien est le dernier à passer, à faire le cut. C'est toi, FFC, là, le AZ qui vient de passer. Je suis R10, AZ. Allez, AZ, terminé. Stop, voilà, j'ai laissé une minute de plus parce que on n'est pas des monstres. On n'est pas des monstres, voilà, vous êtes donné du mal. Voilà, Ryuton, merci, qui stop. Vous pouvez continuer à jouer, continuer à essayer de monter. J'explique la fin. Si t'avais pu faire 22h, ça aurait été... Ah, le problème, c'est que moi, faut vraiment que je file. En fait, je voulais déjà arrêter le live à 21h30. Je voulais arrêter le concours à 21h et partir à 21h30. Mais faut vraiment que je descende. J'ai pas bouffé, je suis crevé. Mais promis, moi, si ça vous a plu, ce genre de choses, on peut le refaire en laissant plus de temps, etc. Il n'y a pas de souci. Donc, je sais pas si j'ai pas trouvé ou mal tapé la commande. Donc, ce qu'on va faire,
Je vais... faut laisser une semaine. Alors, en ce cas, je vais le faire plus dur. Je vous préviens. Je vous préviens. Mais voilà, mais continuez à jouer, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions à certains qui pourront éventuellement vous donner des indices ou quoi, il n'y a pas de souci. Ou faites-le tout seul dans votre coin. Mais voilà. Donc, ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment va être fait le tirage au sort. Alors, je vais me laisser... Ok, bon, tant pis. Ouais, faut faire un petit débrief à froid, je suis d'accord avec toi. Pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. N'hésitez pas à donner donc, dans les commentaires YouTube si jamais vous regardez après ce que vous en avez pensé. Sur Discord, on peut aussi en causer ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Les trucs étaient trop durs, pas assez durs. Voilà. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. Moi, je vais vous sortir le... J'ai fait un petit tableau Excel qui génère... J'ai rangé ça où ? Quest, voilà, ça s'appelle comme ça. J'ai généré un petit tableau Excel... Hop là. Dans lequel je vais mettre le nom des personnes qui ont participé. Alors, qui ont gagné, pardon. Donc, je vais les mettre et après, je vous montre à quoi ils ressemblent. Je vous montre à quoi ressemble ce truc. Je vais rentrer les trucs. Je vais les mettre dans l'ordre d'arrivée. Donc, il faut juste... hop. On avait dit le premier, c'était Trimo. Bravo à toi, Trimo, d'avoir gagné la première place. On avait ensuite Ryuton. Voilà. On avait ensuite Mitrone. Alors, on fera des fautes, désolé. Parce que j'ai recopié à l'arrache. On a Grégouze, quoique j'ai le truc juste à côté pour Mitrone. Je peux mettre son pseudo Discord proprement. Je peux le respecter un petit peu. On avait ensuite Grégouze. On avait Cryptix qui était passé. Voilà. On avait ensuite Fallen qui était arrivé juste derrière. On avait Link qui est arrivé. Fallen, Link. On avait Enixé. On avait Falmer. Alors c'est rigolo si Falmer y gagne, parce que Falmer, le compte, il le donnera s'il gagne. Donc soit il refera un jeu concours, soit s'il m'autorise, on refera un tirage à ce moment-là. Bon, on va quand même le laisser parce que c'est rigolo. Maximilien. Ensuite, on avait AZ et on avait... et on avait AZ et c'était fini. Et donc il n'y a personne qui est arrivé même après. Donc ça c'est pas mal. Ouais, merci. Alors, je lis le MP de Falmer. Ouais, effectivement, moi j'aurais préféré que ça marche en. Que ça fasse des trucs en MP. Mais ça, il faut que je développe le bot. Il faudrait que je le fasse. Donc, ok, le tableau est fait. On a 13 personnes qui ont participé, qui ont gagné, pardon, un peu plus qu'ont participé. Alors, il se passe quoi? Un compte à gagner, tout à fait, Val. Il sera moins bien que celui que tu as en ce moment. Donc. Alors, donc, voilà à quoi ressemble le fichier. Voilà à quoi il ressemble. Je vous explique comment il fonctionne pour que ça soit parfaitement transparent. Voilà, via mettre en foireuse. Ça, normalement, voilà. On va voir ça comme ça. Donc, vous avez ici la place. Donc, on voit Trémo qui est arrivé. Il y a la liste des gens qui ont gagné. Ici, vous avez... en fait, à chaque fois que vous avez... je vais expliquer dans le bon sens. On va faire un tirage de chiffres aléatoires entre 0 et donc 1234, pardon. Et le chiffre, s'il tombe entre 0 et 100, Trimo a gagné. Entre 100 et 200, c'est Ruiton, etc. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on descend, vous avez un numéro gagnant de moins qui tombe. Là, il y a 100 numéros gagnants. Ici, il n'y en a plus que 100, puis 99, etc. Vous avez de moins en moins de chances, mais tout ça sur 1234. Vous voyez que le premier à 8,2, le dernier à 7,2, il y a un petit écart. Je trouvais ça pas mal comme truc pour donner un léger avantage au premier, mais pas que ce soit écrasant. Et voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Si on avait eu un nom en plus, bah, ça aurait changé les pourcentages, vous voyez, parce que d'un coup, on aurait fait un tirage sur 1322 avec toujours 100 bonnes réponses. Et s'ils avaient été uniquement 2, bah, ça aurait été du 50-50 quasiment. Donc, voilà. J'ai tanké en R1 et j'ai pas de proba de gagner le first pick. Excellent, très très bonne ref. Et d'ailleurs, Kelsier, je t'invite quand même d'aller jusqu'au R6, on le verra tout à l'heure. Mais le niveau, je l'ai fait en pensant à toi. Si on refait le concours, on fera ce niveau-là ensemble. Je voulais qu'on en parle l'autre jour, je m'étais dit peut-être qu'on se ferait un vocal et puis en fait, ça n'a pas été possible.
Merci Falmer. Donc, le R1, mais c'est vrai? Regarde l'icône du serveur. Donc, et ici vous avez un calcul, donc voilà, qui dit qui cherche un truc entre un nombre aléatoire entre deux bornes. Et ici vous allez avoir le nom du vainqueur. Donc ici, parce qu'il y a la réponse qui est dans des cellules cachées. Bref, là c'est en vert, donc on voit pas. Je vais le faire apparaître après. Je vais changer la couleur du texte de ces deux endroits pour faire apparaître le niveau vainqueur, mais on va pas le faire tout de suite parce que tant que je ne modifie pas, je vais le faire devant vos yeux. En fait, un round, quand vous faites un round comme ça, je vais vous montrer. Non, c'est un aléatoire qu'il faut faire. Aléatoire. Donc voilà, si je dis entre 1 et 10, voilà, il me fait 6. Et à chaque fois que je fais une action, il va, enfin là j'appuie sur supprimer, il me change la valeur. Donc voilà, chaque fois que j'appuie, là vous voyez pas, moi j'appuie, ça change les valeurs. Donc là normalement, j'appuie plein de fois. J'appuie plein de fois, plein de fois, plein de fois, plein de fois. Écoutez. Et là on a une nouvelle valeur. Et là le nom du vainqueur, on l'a. Il est écrit. Si je clique, on voit pas parce qu'il y a une formule. Mais à partir du moment où je vais sélectionner ici et choisir la couleur noire, s'affichera le nom du vainqueur du concours qui va remporter ce magnifique compte. Attention. Un petit roulement de tambour peut-être. Attendez, je vais mettre... Quelle est la prochaine musique qui arrive? Est-ce que c'est une musique qui met un peu la pression? Absolument pas. Attention, qui va être le vainqueur? Trimo est arrivé en premier. Réuton a souvent été bien placé. Offray était là dès le début et a très vite démarré. Donc on a les gens qui se sont bien démarqués. Je clique sur la couleur du texte. Je vais cliquer sur noir. En plus, on verra pas parce que ce sera derrière. Roulement de tambour, les gens ont peur. Est-ce que ça va être Falmer et qu'il va falloir refaire un tirage? Attention, c'est maintenant. Et c'est Enixé qui gagne 716. C'est arrivé ici. Enixé, bravo à toi. Je ne sais pas quel est ton tag dans le Twitch, si tu es présent ou pas, mais à mon avis, oui. Bravo à toi. On voyait déjà ce qu'il avait écrit. Ouais, d'accord. Oh, tu es là. Tu es là. Et oui, c'est fini. C'est fini, Azlak. Bravo, bravo. On croit à la draft de l'NBA, exactement. GG à toi, bravo. Au niveau des modalités, évidemment, on va s'organiser. Donc, vous avez bien compris, c'est l'ancien compte de BB Patron qui était disponible. Donc, on va s'arranger, on va se faire un petit MP tous les trois pour le transfert. Mais ça va très bien se passer. Bravo, donc on peut passer un petit coup sur ce compte quand même, montrer il est où, si je fais double HG, BB Patron, normalement il est dans mes favoris maintenant à force d'aller sur ce compte, mais on a un magnifique compte, vous l'avez vu, il a les 8,5 millions de PG, il y a l'exécuteur, il y a 5 GL, et la surprise, vous n'avez peut-être pas fait gaffe parce que vous étiez pris dans le concours, mais si on l'observe attentivement, vous êtes prêt pour Ray, il y a juste à faire l'événement, les tickets sont disponibles, il n'y a plus qu'à lancer. Au niveau, pareil, ça je l'avais mis dans le jeu, mais au niveau de la faction, si on va voir les Inquisiteurs, bah pareil, ils sont tous là, il n'y a plus qu'à attendre l'événement Grand Inquisiteur qui revient, donc il y a de quoi vraiment beaucoup, beaucoup s'amuser pour avec ce compte. Tac, là, je me replace ici. 46, avec 46 modes plus 25, ouais, il y a un très très bon modage, il y a un très bon mode Q sur ce compte. Voilà, il y a vraiment de quoi passer un très très bon moment, de bien s'amuser. Et puis surtout, a priori, si vous êtes allé jusqu'au bout de ce compte, c'est que vous connaissez le jeu, parce qu'il y avait des choses pas évidentes à aller chercher. On va tout redétailler. Mais bravo à toi, Enixé. On se voit en MP dans la soirée ou demain, voilà, on va organiser ça tranquillou avec BB Patron. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé, on va continuer, je vais couper la vidéo YouTube ici, si vous voulez avoir tout le détail de comment on est arrivé jusque là et l'entièreté du puzzle, et ben on va le faire dans une autre vidéo, comme ça vous n'êtes pas spoilé. Merci d'avoir suivi ce replay YouTube si vous êtes repassé, et le prochain, vous viendrez le jouer parce que c'était trop marrant.